que je vais dire, un peu, ça va être du B.A.-ba au début pour les profs. Bon, il y a des outils, des logiciels qu'on aurait eu envie d'utiliser parce qu'on se disait qu'ils étaient plus populaires, plus faciles pour nous d'accès. Par exemple, Skype. Moi, j'ai jamais été vraiment fan de Skype pour la simple et bonne raison que c'est pas un logiciel qui sert à faire de l'enseignement. Vraiment, c'est un logiciel de conversation, en fait, D'accord. comme WhatsApp ou Facebook Messenger. C'est beaucoup moins ergonomique, beaucoup moins intuitif que certains autres logiciels. Alors, il y en a qui sont bien. Toi, tu m'en parlais d'ailleurs d'un logiciel qui, j'ai oublié le nom d'ailleurs, c'était le logiciel Blackboard. Blackboard, par exemple, qui peut être très bien. Moi, bah, je suis simple. Bah, j'ai utilisé Zoom depuis le début OK. parce que j'ai vu que c'était extrêmement intuitif, extrêmement simple à utiliser. Pour toi comme pour les Et apprenants. exactement.